les ingénieurs corps, ils, quoi, ils pensent quand ils font ça, mais c'est vraiment des génies, quoi. Je m'appelle Stéphane, je suis gérant de la société Barbanco qui est spécialisée dans la distribution de packs de sons pour différentes marques. Et mon activité principale, en fait, se résume à être sound designer pour différentes marques comme Nord, Arturia, Korg, Kurzweil. Bah, j'ai travaillé par exemple avec Stenberg pour Kurzweil, mais de façon indépendante. J'ai fait des sons spécialisés dans les pianos acoustiques, pianos électriques, clavinettes. J'aime toucher un peu à tout. J'ai touché à la synthèse granulaire, donc à la table d'onde, wave séquence, après de la FM, virtual analogue, analogue pur aussi. Mon attirance, c'est quand même plus pour les sons de synthé. J'aime beaucoup faire des sons acoustiques, mais c'est plus mon attirance, c'est les sons de synthé, quoi. C'est comme ça que je suis venu aux machines, en fait. Alors en fait, quand j'ai découvert le P6 en 2020, je me suis dit que Korg allait sortir un synthé FM, dédié à la FM. Et je me suis dit, c'est une bonne idée. J'aime l'idée d'avoir des machines qui font une chose et qui le font bien. Donc je me suis intéressé à l'OP6 et en lisant la notice, je me suis dit, non, c'est pas tout à fait de la FM. Ça va vraiment beaucoup plus loin. L'idée de l'OP6, c'est de fournir, au lieu d'avoir des opérateurs avec des porteurs et des modulateurs, chaque porteur ou chaque modulateur peut être remplacé par une autre fonction, enfin une autre synthèse même carrément. Ce qui fait que c'est qu'on se retrouve avec un synthé carrément à architecture variable. On n'est plus dans la FM, on peut avoir du virtual analogue, on peut avoir de la FM, on peut avoir les deux, c'est-à-dire qu'on peut filtrer de la FM, on peut moduler de la FM par du virtual analogue, on a du wave shaping et du ring modulation. Ring modulation, c'est une fonction qu'on trouve aussi dans les synthés analogues. Donc en fait, quand on mélange tout ça, on se retrouve avec un synthé qui est complètement ouvert. C'est un vrai laboratoire. Les capacités du moteur sonore, je me suis dit que j'aurais passé de ma vie pour en faire le tour, en fait. Ouais, je rajouterais qu'il n'y a pas que le moteur sonore, il y a aussi tout l'environnement, c'est-à-dire qu'on a une section d'effets très intéressante et surtout qui est modulable. Donc on peut moduler les temps de délai avec des enveloppes, des LFO, c'est assez énorme, la matrice de modulation est géniale. Il ne faut pas se fier à son petit format, c'est une machine énorme en fait. Ça peut être un petit peu déroutant au début, il ne faut pas avoir peur de lire la notice. J'aime beaucoup faire ça en fait, de décortiquer la notice, parce qu'il y a souvent des choses qu'on apprend forcément. D'ailleurs, je n'avais pas saisi tout à fait le fonctionnement des algorithmes et des différentes fonctions. Et quand j'ai lu, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est énorme, il faut que j'achète. Il y a un autre truc qui m'a plu, c'est la qualité audio intrinsèque du synthé, quoi. Je me suis dit comment ça va sonner, quoi, parce que j'ai un petit synthé abordable, on a toujours l'idée de se dire bon, ça va être un peu cheap, tout ça. En fait, j'étais bluffé par le son qui sort. C'est paradoxal par rapport au format, quoi. C'est un son, c'est énorme, c'est super bien défini, c'est du hi-fi, quoi. C'est vraiment haute qualité.